connaissais pas le monde qui est dedans. Peux-tu nous expliquer ce que c'est le Carrefour Comédien ? Le Carrefour Comédien, c'est un concours que nous organisons pour les jeunes talents. C'est une ouverture sur le cinéma et à la clé de son concours, le finaliste et le gagnant remportent 3 ans au cours Florent à Paris. Le casting dure 2 jours, le casting premier en tout cas, où les jeunes comédiens reçoivent un texte imposé qu'ils doivent préparer et nous proposer une interprétation. À l'issue de ces 2 jours, nous choisissons 10 finalistes. Ces 10 finalistes sont préparés, sont coachés pendant toute une journée, c'est le samedi matin. Ils restent avec nous toute l'après-midi et puis le soir, ils présentent une émission télévisée. C'est notre finale devant un jury composé de professionnels plus nombreux qu'au casting. Et à l'issue de cette soirée finale, on délibère et nous avons le gagnant qui partira dès le mois de septembre pour 3 ans à Paris. Le Carrefour des comédiens, c'est une grande rencontre depuis le Festival international du film policier l'année dernière, donc en 2012. Un contact humain, un contact professionnel qui s'est vraiment bien déroulé. Et en particulier avec le Carrefour des comédiens, vraiment un gros coup de foudre par rapport à l'événement, par rapport au direct télévision, par rapport à Laurent K. Beaucoup de professionnalisme, mais avec énormément d'humanité. Et donc voilà, on a gardé le contact pendant l'année. Et au niveau de la communication, vous intervenez en quoi ? Donc je m'occupe de la page Facebook, de la page Twitter. Donc on sert à publier les photos, les partager. Les petites phrases clés des comédiens. Notre but, c'est vraiment d'être les premiers à diffuser l'info, à gérer les ressentis des candidats, les rires, les larmes, les joies. Bonjour Brian, en fait j'aimerais vous savoir comment se sont passés les castings hier. Très bien, je suis arrivé, je me suis un petit peu perdu dans Liège d'abord. Et ça allait, c'était un peu stressant parce qu'il y avait un écran où on voyait les candidats passer avant nous. Le casting s'est super bien passé. J'étais assez impressionnée d'être prise parmi les 10 et j'avoue que je suis super contente de moi. Alors pour moi ça a été assez vite en fait. Je suis arrivée à 16h et 1h30 après je passais et on m'a appelé à un moment donné, je suis montée. Je connaissais bien mon texte mais sur le moment j'avais les genoux qui tremblaient, je me suis trompé, je suis revenu en arrière quand même. Puis bon, finalement, je m'en suis sorti et ils m'ont dit que c'était pas trop mal, donc j'ai été rassurée tout de suite. Moi, j'ai passé le casting jeudi déjà, le premier casting. C'était vraiment bien, c'était dans une ambiance hyper détendue. Ils te mettent à l'aise, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, la même chose, sauf que là, il y a un travail avec eux, donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on est un peu plus avec eux et on apprend plein de choses. L'issue de tout ce qu'on a vu, on arrive toujours à trouver des perles rares et on les a. C'est les 10 de cette année-ci. Et ça a été facile de choisir ces 10 personnes ? Oui et non. Pour certains, c'était une évidence pour les 5 membres du jury. Pour d'autres, ça a été un peu de discussion. On a chacun des coups de cœur, on a chacun des affinités avec l'un ou l'autre. Mais donc, ça a pris un petit peu de discussion. Mais après argumentation, oui, on n'a pas dû trop batailler. Et toi qui es dans le concours depuis le début, vois-tu une différence chaque année par rapport aux candidats sélectionnés ? Alors, par rapport aux candidats, je ne vois pas toujours de différence. Mais par rapport à nous, oui. Je me rends compte que chaque année, on est un peu plus exigeant et qu'on demande un peu plus de choses. Ça, c'est vrai. Pour les candidats, ça a été facile, ce que vous leur demandez ? C'est jamais un exercice facile, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, ils ont le texte avant. Certains ont déjà eu des cours, donc c'est un peu plus facile. D'autres travaillent tout seuls chez eux, et donc c'est une nouvelle expérience. Et puis alors, la grosse difficulté, c'est quand même toute la journée en fait, de coaching, puisque la journée de coaching, on leur donne et on leur bourre le crâne avec des tas d'informations. On est quand même des coachs très différents, avec des univers différents, donc on mêle tout ça. Et
ils doivent intégrer tout ça pour avoir une bonne performance. Donc pour eux, c'est quand même une journée assez fatigante. Pour nous aussi, mais pour eux, c'est très fatigant. Plus de stress qui s'ajoute à toutes ces journées. Le prix, c'est 3 ans de scolarité gratuite au cours Florent à Paris. Parce qu'ils sont la plupart jeunes et ils ont besoin de se former. Donc on est ravis de les accueillir. C'est la 4e édition qu'on fait. On a déjà eu 3 et ça se passe très bien. Et donc on espère que pour la quatrième, ça va se passer aussi bien. En tout cas, les 3 précédents sont très heureux de tenter l'aventure à Paris, au cours Florent, et très heureux d'avoir cette espèce de, comme ça, de défi par rapport à eux, d'entamer une formation professionnelle et de faire carrière après. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, évidemment. Qu'est-ce que tu peux dire aux candidats qui vont se lancer ce soir ? Merde. Voilà, c'est ce que j'allais redire, merde. Et surtout, avant d'imaginer une victoire, avant d'imaginer le public, il faut qu'ils s'amusent. Amusez-vous, profitez, mais vraiment, prenez le moment pour vous avant de le donner aux autres. Comment tu vois le jury par rapport à tes 2 ans d'expérience ? Le jury m'a énormément aidé, puisqu'ils ont réussi vraiment à trouver les points faibles, les points forts à améliorer ou à justement recalibrer. Et comme dans le jury, il y a assez souvent, et il y aura certainement à chaque fois, une personne des cours Florent, comme disait Florent ou M. Hoffmann, ils savent obligatoirement, comme ce sont des professionnels, ils savent ce que l'école recherche et comment améliorer les gens. Ils ont des élèves, certains élèves qui savent vraiment voir la différence et voir aussi les endroits qui sont améliorés. Donc ce sont des très bons conseils et ils savent ce qu'ils font. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au cœur du cinéma de Palace et de Liège pour cette grande soirée événement, la finale du Carrefour des comédiens. Sur quoi vous êtes-vous basé pour faire votre choix ? Oh, ça a été difficile, il y a eu plusieurs critères. Je crois qu'on s'est basé sur l'émotion, le jeu, la capacité d'intégrer tout ce qu'on a donné en un maximum de temps. Maintenant, il y en a beaucoup qui l'ont été avec tous ces critères-là, mais variable autre, et donc à un moment donné, ben, on a été aussi au coup de cœur de chacun, on a exprimé un petit peu aussi là où étaient les objectifs aujourd'hui du cours Florent, donc il y a eu plusieurs paramètres pour décider, mais franchement, ça n'a pas été facile. Retombe un petit peu, le stress descend, il était dans les jambes, je ne tremble plus, c'est déjà bien, et ben, je réalise quand même, je gagne un cursus de 3 ans au cours Florent et que c'est la porte ouverte à un rêve qui est là et que je vais pouvoir peut-être un peu toucher et puis que je m'impatiente de croquer dedans, de l'arracher, de manger tout cru et vraiment de vivre ça à fond. Il y a 2 jours de ça, vous étiez quand même 300, puis ici ce soir vous étiez plus que 10. Pensais-tu vraiment gagner ? Alors, pas du tout. Je me suis présenté au casting avec juste l'envie de faire passer ce que j'avais envie de faire passer, cet amour pour le théâtre et pour la scène. Et bien voilà, maintenant je me retrouve en premier et je suis très 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 touché, très enthousiaste. On peut dire que maintenant tu vas vivre ta passion pendant 3 ans à fond, matin, midi, soir. Oui, alors matin, midi, soir, je vais me donner à fond, comme je l'ai toujours fait, pour aller au plus près de ce rêve et devenir enfin un comédien professionnel, un acteur professionnel, pouvoir entrer dans ce milieu qui est le monde du cinéma et du théâtre parisien. Vraiment merci aux organisateurs de ce Carrefour des comédiens, merci aux jurys qui nous ont coachés pendant toute cette journée, qui nous ont soutenus, encouragés. Merci à ma famille, merci aux candidats. Je souhaite à Florian de surtout s'amuser. C'est vraiment un rêve pour lui et je trouve qu'il réalise son rêve. C'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un qui a vraiment envie et je crois qu'il va y arriver. Je crois que les cours Florent vont lui donner le plus qu'il a besoin parce qu'il a déjà du bagage, mais il a besoin de beaucoup plus et tout ce plus. Et c'est quelqu'un qui est très demandeur. Donc je pense que c'est vraiment un candidat, enfin maintenant un futur élève à partir de septembre, potentiel pour l'école Florent. De s'amuser et de profiter de Paris le plus possible. Vraiment pouvoir travailler dans les cours, mais aussi aller visiter bien sur la ville, le théâtre, savoir bien se débrouiller, mais surtout s'amuser parce qu'on est là pour jouer, pour s'amuser sur scène.
que tu veux nous dire aux autres candidats? Ils ne sont pas perdants, parce qu'au final, ils ont tous gagné, puisque les 9 finalistes qui n'ont pas gagné le cursus de 3 ans ont quand même gagné un stage d'été au cours Florent à Paris. Si on devait résumer ces 3 jours de casting, ces 3 jours d'élimination, ces 3 jours d'émotion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, en quelques mots, plaisir, rencontre, amusement et découverte. En tout cas, moi, je suis personnellement très positive. Je pense que la collaboration a vraiment été très agréable. Et je profite de l'occasion pour remercier Laurent et puis et le jury, qui a vraiment été super disponible. Tout le monde a été... voilà, je pense que c'est un chouette partage, sincèrement. Say.